Mon mari a été emprisonné et torturé pendant de longs mois pour avouer quelque chose qu'il ne savait pas. Il est revenu très affaibli dans la famille et avant de mourir dans mes bras, il m'a dit: Mimichka, prends les enfants et va te réfugier en Tchétchénie. On a marché longtemps, très longtemps, sous le vent de la Volga, sans nourriture, en affrontant la maladie avant d'arriver en Tchétchénie. Là-bas, accueil difficile, très difficile, beaucoup morts, beaucoup violence. Alors j'ai pris Fedia et Boslava. Et j'ai dit, on doit partir marcher beaucoup sans nourriture en affrontant la maladie pour arriver en France à Calais. Mais ici, très difficile accueil, très difficile. Bayouchki, Bayou. Sur ton lit, la lune incline son visage doux.